Tous. Bonjour Vincent. Ça va François? Il est là, le roi. Ça va? Ça va? Ça va, avec. Ça va, ça va. Ce matin, sur le plateau de l'Expresso, alors là, c'est... il y a des émotions. Il y a des émotions. Jackie et Benji, les Negmarons avec nous. Les Negmarons qui ont ressorti un album, qui ont pris 7 ans de vacances. Ça, c'est plutôt cool d'être chanteur. Pour revenir sur le devant de la scène avec ce nouvel album, Valeurs Sûres. Jérôme, non, je ne sais pas, bon. Pas pour l'instant, mais on va vous trouver une petite place. Et il y a ce type-là, ce sadique. J'en ai parlé, qui vous a fait souffrir. Qu'est-ce que vous leur avez fait faire? Du Yosekan Budo. C'est un art martial japonais qui mélange un petit peu la boxe, donc le travail à main nue, on va dire, et puis le travail avec les armes. Donc c'est un sport très complet, mais très peu médiatique et très intéressant, avec une belle philosophie. Très physique. Et on s'est bien amusé, c'est vrai. Comment ça s'est passé? Bah, il a souffert, hein, Vincent. Oui. Ah ouais. Oui, je veux bien le croire. Oh, on n'a pas rigolé, t'as vu, nous, ouais. Tac, tac, tu vois. Vous pouvez mentir, on a les images, on les regarde. Et on débrief qui s'est passé lors de cette séance avec Vincent. C'est parti. Hey, salut, c'est Jackie Brown et Benji, les deux nègres marrons. Hey, on est venu relever le défi de notre ami Vincent. On est prêts. Yeah, on est prêts, on est chaud, on est bouillant. C'est parti. Hey, les gars, Jackie. Il est costaud, les gars, Benji. Alors, on est chaud, on est prêts. Bon, on est sur le tatami, donc on se fait un petit salut amical. Est-ce que le Yosekan Budo, ça vous dit quelque chose? Bah, ça veut dire ça. C'est asiatique, traduction. Ok, c'est un art martial japonais où l'objectif est d'apprendre à utiliser le corps et le combat à main nue et avec armes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une initiation complète autour d'une très belle pratique japonaise. Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. Petit échauffement. Allez, c'est parti. Allez, on est chaud. On y va. Ok, non, c'est moi tu vas faire qu'attaquer et tu vas faire que contre-attaquer. Défendre, contre-attaquer. Vas-y, c'est parti. Tu l'attaques. Allez. De la rigolade, c'est ta pierre. Franchement, c'est du sérieux. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, qu'on a bien travaillé, c'est le moment du fight. On est prêt? Ok. Allez, c'est parti. Ok, 10-0. Bye. Ajime. Jackie, Benji, vous aviez déjà une expérience des arts martiaux. Là, c'était la première. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, tout simplement? Ouais, c'était vraiment, vraiment physique. Hein. Il nous a pas épargné. C'est vrai que bon,
Nous, d'habitude, on est plus sportwear que sportif, donc c'était un peu compliqué, tu vois. Mais non, ça a été, franchement, c'était une belle expérience et non, c'est éclaté. Ça nous a fait du bien. Ouais, franchement, on s'est éclaté. Ah, ça nous a fait du bien et puis bah, c'est un nouveau sport, encore une fois. Merci Vincent, le Yosekan Budo. Yosekan Budo. Et c'est clair. On s'en souviendra. Ouais. Jérôme, vous avez fait du MMA, vous aimez bien les arts martiaux. Ça vous dirait que la compagnie, un de ces jours, faire du Yosekan Budo ? Oh, autre chose. Ou autre chose ? Oh, je préférerais du MMA quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, il connaît aussi. Okay. C'est plus technique et comme j'aime bien les jeux d'échecs, je crois que le MMA, c'est comme un jeu d'échecs. Et plus on connaît de technique, plus on a de chances de gagner. Dernière question, très rapidement, Vincent. Où est-ce qu'on pratique ce sport ? C'est simple. Alors, dans beaucoup de clubs de karaté et de judo, où justement, c'est peu connu, c'est peu répandu. C'est un peu pour ça que je l'ai mis un peu en avant, parce que c'est une très belle discipline, très riche techniquement, justement, parce qu'elle comprend une multitude d'armes et une multitude de techniques. Ça mélange le karaté, le judo, le jiu-jitsu brésilien et aussi tout le travail des armes. Donc, dans tous les clubs affiliés aux fédérations de karaté et de judo. Voilà. Ok, merci Vincent. Jackie, Benji et Negmaron, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 années ? Vous avez travaillé studieusement ce nouvel album là, qui est sorti à l'automne, Valeur Sûre, à avoir dans toutes les bonnes discothèques. Ben ouais, 7 ans parce que déjà, l'album précédent, on a dû le promotionner, partir en tournée. On a la chance de jouer au-delà des frontières de l'Hexagone, donc ça prend du temps entre l'Afrique, la Caraïbe, enfin l'Europe. On a joué dans pas mal de pays grâce aux morceaux qu'on avait fait avec Cesaria Evora. Et puis après, on a pris un peu de temps aussi pour la famille. On produit aussi parce qu'on a notre label, on a nos studios. Donc des fois, quand on n'est pas au devant de la scène, on produit des jeunes artistes aussi. Et puis après, il a fallu se repencher sur ce projet qui nous a pris quand même 2-3 ans à mettre en place. Toujours dans la même veine. Flemmardé aussi. Ah ouais. Vous avez fait le bilan, calmement, voilà. Rap, reggae, toujours dans la même veine. Ouais, toujours le même esprit, la même couleur musicale, même si c'est vrai que ce qui nous a aussi pris du temps, c'était de trouver les bonnes sonorités, les nouvelles sonorités. On voulait faire un album vraiment dans l'air du temps. Sachant qu'on est là depuis longtemps, notre premier album est sorti en 95. Jérôme s'en rappelle, tu vois, on se connaît. Vous êtes fan du PSG, donc forcément. Ah, on a débuté ensemble. Voilà, exactement. Qui joue à quel poste ? Moi, j'ai débuté au sport. Nous, à la musique. Ouais. Jérôme, il commençait, et nous, on commençait notre carrière musicale, donc ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Donc voilà, le but pour nous, c'était de se renouveler et d'arriver avec un album. Qui convient à cette époque. Bon, et il y aura des dates de concert, notamment une date de concert dans une super salle parisienne, ce sera le Trianon, ce sera le 2 juin. Ça sera 2 juin prochain pour voir les Negmaron qui sont de retour, qui sont dans la place à nouveau. Et ça, c'est très, très chouette. L'album s'appelle Valeur Sûre et vous allez nous interpréter ce matin Valeur Sûre. Allez, voilà. C'est parti les gars. Jackie et Benji ce matin sur le plateau de l'Expresso pour nous interpréter Valeur Sûre, extrait de l'album Valeur Sûre. Voilà. Yeah yeah. Yeah yeah. Calmement, direct de Pékin, c'est Jackie Brown et Benji. Pour l'Expresso. T'entends pas ou quoi ? Valeur Sûre. C'est parti. Yeah. Yeah. On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur, de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, besoin d'une feuille, d'un stylo, quand les mots viennent je chante et j'écris. Pour que je me sente bien. Besoin du soutien des miens, toujours fidèle à la case départ. Pour que je me sente bien. Voir les choses en grand face au ciel et à l'océan. Pour que je me sente bien. Méditer, résister, unité, humilité. Pour qu'on se sente bien. Le téléphone sonne, c'est sûrement la famille, oh mama. Je suis loin mais le dimanche c'est jour de prière. Donner puis recevoir tout ce à quoi on aspire. L'amour et la foi nous montrent les portes à ouvrir. Hey, hey. On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre à la recherche du bonheur, de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, one love, 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 quoi qu'il se passe, unis.
est fort, à la vie, à la mort, c'est ma famille d'abord. Mais quoi qu'il se passe, même s'il y a des accords, peu importe qui a tort, le soleil brille encore. Eh oh, j'ai le devoir d'éduquer mes enfants. Respect papa, respect maman. Je transmets mon savoir comme un flambeau. Un regard vaut bien plus que des mots. Le sourire d'un enfant n'est jamais faux. On s'aime avec nos charmes et nos défauts. Avec les miens, je me sens bien. Mais c'est, on a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, one love. One love, one love, one love, one love, one love, one love, one love. On est parti de rien, Jackie et Benji, on fait les choses bien pour y arriver, sans jamais rien lâcher. On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, one love, one love, one love, one love, one love, one love, one love. Hey, yeah, c'est Jackie Bon et Benji pour l'Expresso. N'oubliez pas le 2 juin au Trianon. T'entends pas ou quoi? Merci à tous et à toutes. Ça c'est clair. Ouais. Net et précis. Jackie et Benji sont des valeurs sûres. Le retour d'Eneg Marron, c'était sur le plateau de l'Expresso. Merci mille fois, messieurs. C'était merci vraiment génial. Merci. Le 2 juin, le Trianon, une super salle pour vous voir et cet album Valeurs Sûres dans les bacs. Jérôme, merci beaucoup d'être venu dans Expresso. Merci. Vous avez une parole assez rare, donc c'était plaisant de vous entendre sur toute cette heure, cette dernière heure d'Expresso. Merci Jacques et Benji, merci Vincent. Vous avez encore martyrisé quelqu'un la semaine prochaine. Ouais. C'est sûr, voilà, ça vous plaît. Plus de l'amour la semaine prochaine. Charles, c'était chouette également. Et puis merci à David Seller, à la réalisation. Merci à Julien Grèce, à l'édition. À toutes les équipes qui ont préparé cet Expresso. C'était encore une super, super matinée sur les antennes de Bean. Très, très bonne journée sur Bean. Ciao. C'est sûrement la famille, oh mama. Je suis loin, mais le dimanche, c'est jour de prière. Donner puis recevoir tout ce à quoi on aspire. L'amour et la foi ne manquent pas à ouvrir. Quelque chose de précieux, une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux, une valeur sûre.